quand vous les voyez malades, tout ça, c'est... Ouais, des fois, ça fait la peine. Quand on a commencé la formation, je pense que personne d'entre nous pensait que ça allait être vraiment comme ça. Enfin, moi, je n'imaginais pas du tout que ça. Ça, je pensais que ça allait être vraiment comme ça, mais je crois que c'était de cette manière-là. Il y a quand même de la souffrance, quoi, donc... Parce qu'après, c'est les premiers à se faire traiter, enfin, à se faire soigner dès qu'ils ont un mal, et ils ne savent pas d'où provient le médicament. Ou... C'est pareil, moi, c'est ce que j'ai expliqué à mes grands-mères, par exemple, ma grand-mère, elle ne comprend pas ce que je fais. Je lui ai dit, bah écoute, hein, si t'es pas content, t'as qu'à servir de cobaye, et puis voilà, et puis on va t'injecter la myopathie, même si c'est pas possible, puisque c'est génétique, et puis c'est spontané. Ouais. Je lui ai dit, bah écoute, on va t'enfermer dans un box, et puis on va te faire des machins, tu seras content, toi. Ok, on sera là pour s'occuper de toi, mais... Ouais. Là, c'est la même chose, tu seras malade, et puis ce sera du début de la vie à ta mort. En général, l'entourage, on évite d'en parler. Ouais. Voilà. De toute façon, nous, qu'est-ce que tu fais comme métier animalier, c'est tout. Ouais, voilà. Oui. Je ne précise pas laboratoire, parce que tu précises laboratoire, je l'ai vu, c'est à cause de ça que c'est parti les 1h30 de polémique. Je suis animalier de laboratoire, l'autre, bim, allez. Donc c'est vraiment l'image. On évite en général de, ouais, de dire là la labo quoi. La labo elle se prend la tête. Ouais. C'est ça. Tu fais quoi comme métier animalier. Ouais, mais... Il y a des trucs qu'il ne faut pas non plus dire aux entourages, puis il y a des trucs assez durs qu'il y en a qui perçoivent. Ouais, ça peut changer aussi.